Ah, la motivation, c'était que je suis vraiment très en colère contre cet oubli des femmes. Elles ne sont marquées nulle part. On dirait que vraiment que le monde a été créé, fait, vécu par des hommes. Et je trouve ça vraiment très étonnant parce que j'ai beau regarder autour de moi, il y a des tas de femmes. Donc, je trouve que c'est un génocide. Un génocide, ouais. Très souvent culturel, parce que ces femmes ont réalisé autant d'œuvres scientifiques, artistiques que les hommes, mais elles ont été effacées de tout. On les a tuées une seconde fois, elles sont mortes. Il y en a qui sont mortes dans des conditions tragiques parce qu'elles ont réalisé des choses et que ça ne plaisait pas au pouvoir de l'époque. Je pense notamment aux sorcières, mais à d'autres. Il y a beaucoup de femmes qui ont été décapitées, comme Jeanne d'Arc. Enfin, elle fait un peu partie des sorcières. Notamment pour les sorcières, c'était des femmes qui avaient une certaine culture, qui pouvaient avoir des dons de médecins, d'autres choses. Et enfin, je trouve ça tragique. Tout est tragique dans l'histoire des femmes. C'est pas que j'aime pas les hommes, hein. Ça aurait été les hommes qui auraient été censurés à ce point-là, j'aurais fait le même tableau sur les hommes. Je n'admets pas qu'on puisse censurer une partie de l'humanité. Il se trouve que ce sont des femmes. Partie de ce que j'ai essayé de défendre. Je ne sais pas, il y en a qui m'ont fait pleurer en travaillant sur elle, comme Simone Veil, la philosophe, pas la Simone Veil, la deuxième, enfin il y en a peut-être eu d'autres, mais cette jeune fille qui était philosophe juive a refusé de partir avec ses parents en Amérique. Elle a dit, moi je veux être avec ceux qui vont être tués, qui souffrent. Et elle en est morte. Elle en est morte. Elle a été. Et elle a laissé une œuvre considérable de philosophe. C'est quelqu'un qui s'est toujours engagé, qui a travaillé dans une usine pour comprendre la vie des gens qui travaillaient à l'usine. C'est un personnage vraiment très très beau, qui est morte très jeune. Mais elles sont toutes très très émouvantes, hein. Ce qui m'intéresse énormément, c'est la femme préhistorique. On va passer à la première femme. On dit toujours les dessins des hommes préhistoriques dans les grottes. Et il s'est avéré qu'il y a des chercheurs aux États-Unis qui ont fait des grandes recherches et qui ont découvert qu'en fait c'était des femmes et des adolescents qui ont fait les peintures dans les grottes. Donc là aussi, c'est pas normal de dire les hommes préhistoriques ont peint les grottes. Donc cette femme préhistorique qui n'a pas un nom bien précis puisque ça regroupe un ensemble de femmes, voilà, je trouve que c'est anormal. Parce que c'est fabuleux ce qu'elles ont fait dans les grottes, c'est fabuleux, c'est inouï. Mais il suffit de prendre tous les livres qui racontent ces grottes, à Lascaux, à tout ça. On parle que des hommes. C'est stupéfiant. Thank you.
aux femmes d'aujourd'hui et de demain, le monde va tellement mal, je trouve, déjà pour les mouches ou les abeilles, que peut-être il faudrait, avant de se préoccuper de nous, les hommes et les femmes, se préoccuper de la nature. Parce que nous faisons partie de l'espèce animale, on pourrait dire. Et si ça commence à disparaître à cette allure, à mon avis, nous, les êtres humains, on n'en a plus pour très longtemps. Donc mon combat actuel serait plus pour la nature. Et bien sûr, pour les droits humains. Parce que quand je vois tant de gens qui meurent dans les si belles mers, c'est beau la mer, mais là c'est dramatique la mer, etc., etc. Bien sûr, il ne faut pas oublier tout ça. Mais je pense que le problème écologique actuel est beaucoup plus important que tout. Parce qu'il n'y en a plus pour longtemps, il me semble.